La mort de Johnny Hallyday. Moi, président de la République. La France sous le choc après l'attentat. Yes, we can. L'an 2000 fête ses 20 ans. Il nous laisse en mémoire 20 ans d'images inoubliables qui ont bouleversé le monde. Je souhaite une bonne et une heureuse année 2000. Ce soir, nous allons revivre 20 années d'émotions partagées. Dans la joie et dans la peine. Je suis ému de voir tant de monde qui crie Charlie. Barack Obama, président des États-Unis. Obama ! 20 ans d'images choc, où la réalité a souvent dépassé la fiction. 20 ans de rire. Je ne suis pas folle, vous savez. Moi, qu'est-ce que j'entends ? Sur ma carrosse, je serais dopée. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ? De séquences cultes à la télévision. Une expérience unique, celle de vivre totalement coupé et isolé du monde extérieur pendant 70 jours. On arrive dans un voyeurisme à outrance. Là, on est en train d'enculer une mouche qui ne nous a rien demandé. Moi, j'accepte la controverse, mais pas la grossièreté. Et de tubes inoubliables. C'est assez exceptionnel. Tu transformes un peu le plomb en or. 20 ans d'exploits sportifs. Qui nous ont fait vibrer tous ensemble. Des moments de recueillement national. D'autres de sidération planétaire. Dominique Strauss-Kahn, escorté, menotté. Harvey Weinstein est rattrapé par son passé. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Quand vous vous rasez le matin, est-ce qu'il vous arrive de penser à l'élection présidentielle ? Pas simplement quand je me rase. 20 ans à suivre tous ensemble, une saga politique aussi forte que les meilleures fictions. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen. Vive la République ! Vive la France ! Nos années 2000, retour sur les 20 ans qui ont changé nos vies.